Allez, une super manche. Maxime, ça fait quoi ce premier podium en GP? Ça va faire du bien? Ouais, podium de manche, c'est vraiment cool. J'ai fait une très bonne première manche. Au niveau du roulage, j'ai été vraiment consistant tout le week-end. Je pense que mon roulage se valait pendant tout le week-end. La première manche, j'ai pris un très bon départ. Et on voit que ça change tout, quoi. La vie, elle est vraiment plus facile devant. Donc je vais essayer vraiment de reproduire ça sur les prochains GP. En deuxième manche, je me suis loupé sur le départ. Je suis beaucoup moins bien sorti. Heureusement qu'on n'était que 15, comme ça je sors 15, quoi. Et après, je me suis employé pour remonter. Je remonte 7, ce qui est bien. Mais bien sûr, j'aurais voulu ce podium. Bon, on a encore une paire de courses et il va finir par arriver. On se rapproche à chaque GP, on sent qu'il y a la progression, le boulot paye. La chaleur, ça n'a pas été trop compliqué? Si, ça a été compliqué. Les fins de manche, ça jouait vraiment mental. J'ai pas craqué, je pense que le podium aussi, la petite carotte, ça a fait aussi son effet. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais été au bout et j'aurais tout donné jusqu'au dernier tour et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué avec la chaleur. Dès qu'il y avait des points où on ralentissait, on sentait tout de suite l'humidité, du mal à respirer et tout ça, donc non, assez compliqué. Bon, l'avantage c'est que tu as une semaine pour t'habituer à la chaleur avant ces Marang le week-end prochain. Ouais, on va s'habituer à la chaleur, prendre un peu de repos et revenir chargé à fond. Un peu de tourisme en même temps, non? Ouais, un peu de tourisme et beaucoup de repos et on n'est pas venu là pour faire du tourisme, quoi. Merci, on se voit le week-end prochain. Ça marche, à bientôt.